Yes, re, salut, pour Pixel, Doty toujours. On farm, on fait que ça dans le jeu de toute façon. On fait que ça. Alors le pire c'est que c'est facile en plus. C'est long et facile, pas trop de résistance. Là regardez là, pour vrai, il ramène plus de poissons. Et c'est assez étrange. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une compétence en phishing? Est-ce qu'elle augmente? Elle augmente pas beaucoup en fait. C'est pour ça qu'il galère. À mon avis, quand t'améliores cette compétence au max, c'est mieux. Par contre, regardez, il y a des mecs qui ne pêchent pas en fait. C'est ça qui est bizarre. Il y a des choses que je comprends pas trop. Ouais, donc le machin, on va aller tout seul avec le chef comme d'habitude. Le beau gosse. Non, non, mais. Ah oui, il ouais, faut que j'enlève ces putains de canons. Le problème c'est que je suis obligé d'attendre que. Mais pourquoi il court là-bas? Je suis obligé d'attendre d'être hacké pour faire ça. Ils vont envoyer encore des canons, ce connard. En plein dans le chef. Ah, ça va. Boum. Non, mais coule pas le bateau. Regardez tout ce sang là. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Ah, les mecs ils ont explosé. Ah, ils ont explosé. Non, pas de 4, je tue pas les 4. Oui, interact. Ok, on se casse, les armes c'est bon. Ah, remarquez là, il y a un petit truc là, je sais pas c'est quoi. Ah non, j'ai ramassé une arme comme un con. Bref. Donc il y a un mec vénère, hein. Il regarde, il est vénère. Et ils ont faim, voilà. En fait, je devrais pas faire ça. En fait, je devrais laisser mon TP. Et il y a un mec, il y a un autre mec qui peut faire du cook. Comment ils appellent ça? Cook, cooking normalement. Hein. Cooking, voilà, ils appellent vraiment ça cooking. Il y a un autre mec qui peut faire du cooking. Voilà, c'est lui. Lui, je devrais lui laisser le couteau. Voilà. Et c'est lui qui préparera la bouffe. Parce que sinon, je vais perdre des TP petit à petit. Le Lancaster Max, masque, j'en ai eu que deux. C'est l'objet le plus OP du jeu, plus un TP en level, donc 0,5 de TP en plus par chaque niveau. Enfin, 0,50% de TP en plus à chaque niveau, c'est énorme. C'est comme si vous augmentez d'1,5 votre niveau à chaque fois que vous augmentez d'un niveau. Enfin, vous m'avez compris quoi, c'est un ratio. Voilà. Ils ont faim, mais la soupe pote, elle est prête là. Bon, je comprends pas trop, bref. Ouais. Bah, du coup, comme. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, j'allais faire un truc de con. Voilà, Danger 4, on va faire tac 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 comme ça. Ah ouais, Plunder, merci. J'oublie à chaque fois, hein, c'est un truc de fou. Ah ouais, non, non, c'est bon en fait. J'ai rien dit. Voilà, level 68 et là j'ai mes 3 TP. Peut-être augmenter un peu la force, qu'est-ce que vous en dites? Mais j'aime bien la vie, monter grave la vie, parce qu'en fait quand on augmente de niveau, on augmente. En fait le mieux de la stratégie c'est d'augmenter que l'intel. Mais regardez, n'empêche, vous avez vu, je suis à environ 1 cinquième de la barre. Ça veut dire qu'on peut monter vraiment. Énormément de niveaux, on peut monter. Je sais pas combien, je sais pas quel niveau on peut monter, mais on peut imaginer des niveaux 300, j'imagine. Niveau 300 par là, parce que là je suis à un quart, alors j'ai pratiquement mis que ça, que de l'intel. T'as vu, il pêche, puis ça s'enlève. C'est assez bizarre la pêche, j'ai l'impression que c'est un peu buggé. Engage. C'est parti. Ah, j'ai des greenstones à mettre au fait. Je viens d'y penser comme ça. Je sais pas pourquoi. J'en ai combien? 23 quand même, mais là c'est à combien de pourcents? Ouais. On va atteindre les 40%. J'avais dit que j'atteignais les 50. On va atteindre les 40% et après on s'arrête. On va définitivement quoi. Voilà, 40% parce qu'après c'est trop. 40 dégâts sur l'arme. On va augmenter les autres. Mais il me semble que t'augmentes pas les.
Ah, j'avais déjà essayé d'augmenter la canne à pêche, il me semble pas que t'augmentes les. Normalement, t'augmentes que les dégâts, t'augmentes pas le chance d'avoir des poissons. Il me semble pas. Ils vont envoyer des boulets, ces connards. Ah non, même pas. Ah si, si, il y en a un qui se ramène avec un boulet. Hey chef, j'y vais. Boum. Non, 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 il est pas. Putain de ta mère. Oh là là. Bref. Ça sert à ça, les sauvegardes. Ça sert à ça, les sauvegardes. Voilà, il faut qu'il s'infiltre dans le bateau, voilà. Là, il est bien. Là, il peut plus mourir. Oh putain, regardez, il était bloqué. Ah là, l'autre con, il va. Oh putain. Il a fait plus de dégâts à mon chef qu'au autre en plus. L'autre con il va tuer tout le monde. En plus ça se trouve il peut totalement détruire le bateau. Parce que vous voyez que là il y a en haut à gauche il y a ship HP. HP, ça veut dire qu'on peut très bien on peut très bien couler un navire à coups de canon. Regardez, je suis bloqué dans le mur. Ça y est, c'est parti, l'out of band, je suis déjà en train de speedrunner le jeu. Et ouais, donc il se peut que s'ils envoient trop de boulets, le bateau coule alors qu'il y a mon chef dedans, et je pense que ça fout la merde à mon avis. Il est en train de prendre cher d'ailleurs, c'est un Danger 5 ça se trouve là, non? Non, il n'y avait pas de canon. Il a pris quand même pas mal la moitié de sa vie. Ils sont niveau combien les autres de fait? Niveau 21? C'est vraiment juste eux hein, qui doivent monter de level. Ok. Y a plus de bouffe. Je suis sûr qu'ils ont faim. Voilà, ils ont tout le temps faim. Tout le monde a faim là en plus. Hein. C'est de la misère. Config du navire. Food, soup, pot. Yes. Oh, cette musique. Ambiançage. Ambiançage à la musique. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non! J'ai fait capture! Mais t'es con, le jeu, t'es con! Pourquoi tu préviens pas? Putain, je suis désolé pour ça. Je suis désolé. Désolé, donc encore, hein. Encore un chargement. Musique de l'ambiançage absolu. Donc ouais, désolé hein, je sais pas pourquoi. Cliquer sur ouais, c'est à côté, mais pourquoi après il n'y a pas un petit Are you sure? Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais dû faire un petit Are you sure to capture, parce que plunder on s'en fout, ouais, c'est pas grave si on plunder un truc. Il y en a tellement des vaisseaux partout. Enfin bref. Donc ouais, ce que je voulais faire en attendant, c'est qu'il va préparer de la bouffe l'autre. Voilà. Ce vaisseau en plus a l'air d'être beaucoup plus facile. Ah ouais, il y a marqué en bas boarding phase. Ça veut dire qu'on peut. En effet, il y a un petit temps de boarding. Abordage, à l'abordage.
Je suis désolé pour la musique, hein. Des fois, j'écoute pas toujours ce que je mets avant. Changer ça tout de suite. Je l'ai mis pas trop fort, de toute façon, pour vous, juste un petit bruit de fond, quoi. Voilà, ça c'est bon, ça. Enfin, c'est un peu mieux, on va dire, quoi. Plunder. Voilà, on a enfin passé cet ennemi. On va faire les deux towns. Les two towns et on se barre. Faut que je fasse un petit truc aussi, attendez, sur mon ordi. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut, voilà, faire ce qu'on veut en attendant que ça met 30 piges à voyager. Voilà, tac, hop, c'est bon. De retour. Mais attendez, d'ailleurs, j'ai un autre truc d'ailleurs à mettre maintenant. Peut-être. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Faut réfléchir. Là, il y a quoi? Damage de distance, ça peut être sympa. Pourcentage d'esquive, ça peut être sympa aussi. Et attaque speed. Ah ouais, ça augmente l'attaque speed, le move speed et pourcentage d'esquive. L'agilité. Sympa l'agilité aussi. Ça augmente trois trucs assez sympa. La vie, HP regen. HP regen, c'est bien aussi. Life et armure. Ouais, très bien aussi la vie. Je pense que si tu pourras. On va faire vie, intelligence, agi. La force, tant pis, on s'en fout. Ça augmente déjà assez bien avec les armes et tout. Mais je pense, à mon avis, si tu bourres agi, vie, avec armure et en plus t'as de l'esquive, ça peut être sympa quoi. Y'a un mec qui est pas content. Là c'était la town, ouais la town. Alors qu'est-ce qu'il y a de bouffe? Il y a de la bouffe. On a combien de bouffe? Je crois qu'on a. Ouais, on va racheter quand même quelques trucs, vu comment ça descend vite. Il y a une taverne qui restaure le moral, donc j'ai restauré le moral pour rien. On va d'abord s'occuper des oysters. Oyster Geraldo et Oyster Randall. Oui, si tu veux. Alors le recrutement c'est bon, 5 ça suffit hein. C'est déjà assez le bordel comme ça. Et un peu de bouffe. Et puis c'est bon, on se barre. J'ai des armes à vendre peut-être. Y'a pas de meilleure flingue aussi? Throwing Meeting, ah ouais ça on avait déjà vu. Alors combat Fishing Rod, voilà ça peut être sympa, si on a la flemme de changer en fait. Allez, là les conneries à vendre. Putain, j'ai droppé des Viking Spear quand même. Ah, Viking Blade, c'est pas pareil. Ah, Viking Blade, je crois que j'ai jamais eu ça. Viking Blade, Viking Sword, c'est de la merde. Et Viking Blade, c'est de la merde aussi, y'a que Viking Spear. Oh, cette musique de l'ambiancement, j'enlève aussi. Ouais, donc Viking Sword, on s'en fout. Viking Blade, on s'en fout. Ok, réfléchis, ouais, de la bouffe et c'est bon. Soup pot, voilà. Allez, on rentre.
Oui, qui nous suivent parce qu'on s'est fait des potes, en fait. Voilà, non, j'attends quand même que. Hein. Tac, carte du monde. Ok, une autre ville encore, de toute façon. Cette musique de l'ambiançage, j'enlève ça tout de suite. Voilà, c'est mieux ça. Ouais, comme je disais, hein, les musiques que je n'écoute pas avant de lancer mes lives. Des fois, je découvre des trucs. J'ai tout le monde là, en fait, ouais, c'est bon. Encore des TP à mettre. T'as vu, c'est dommage aussi qu'on puisse pas mettre des sortes de TP automatiques. Genre, on lui dit, ouais, j'augmente ça, et vas-y, dès qu'il monte de niveau, ça augmente tout seul, parce que c'est relou à chaque fois aussi de d'attribuer les TP soi-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la food. Il y a exactement les mêmes choses, donc on s'en fout. Ah, je vais prendre les oysters quand même. Oh, la distance du flingue quand même, ça a l'air impressionnant. Ils s'y mettent à pêcher, les mecs. On se bat. On se bat et ouais, continue à farmer, hein. Le farm vient tout seul dans le jeu, il suffit juste à voyager pour que ça vienne, pour vous monter de niveau. À la limite, vous faites même aucun combat, juste vous voyagez et voilà. Vous avez des niveaux gratos. Assez particulier quand même. Ils ont déjà pratiquement niqué les support. Attends que l'autre il monte quand même. Tout le monde est là. Alors, non, j'ai envie, mais on n'y va pas tout de suite. Tac. Allez, du fish là les mecs. C'était un dungeon combien d'ailleurs, j'ai même pas vu. Ah ouais, j'ai toujours pas enlevé mes boulets de canon. J'en ai plus beaucoup de toute façon. À la limite, je les laisse. Hein. Boarding in 30 secondes. Donc là, c'est un dungeon 5 parce qu'il a. Il a quand même des bons mecs. Et eux, c'est con, ils sont en train de pêcher. Moi, je vais y aller tout seul avec mon chef, nique sa mère. Nique sa maman. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Je te prends un V7, moi. Non, mais par contre, hein, ne meurs pas. Ne va pas près du navire. Ok, ping-pong. Ok, ping-pong. Voilà, là c'est bien, là il est bien placé là. Quand même, hein, il prend un peu cher, il prend un peu de la sauce. Ah ouais, il prend cher quand même, hein. Quand même, les Dungeon 5 tout seul là, c'est. C'est relou.
pour amender moi tout ce sang là. Combat d'autiste. Paris, esquive, dodge, voilà. Allez, on se barre. Et pendant ce temps-là, ils ont fait que bouffer. Tone 5 avant, non, ça sera hors tour ça. Ouais. Quoique. Non, c'est bon, j'ai l'affaire. Et il y a 4 Legendary, il me semblait qu'il n'y en avait que 3. Ah non, il y en a bien 4, ouais. Renown. Ah, il y a une renommée maintenant, 4927. À quoi ça sert? Peut-être que les objets coûtent moins cher. J'avais jamais vu qu'il y avait une renommée maintenant. Mince. Dans la carte du monde. Enfin, Rhino, je pense que ça veut dire renommée. Ça me semble logique en même temps. Oula, ok, c'est bon. Alors, on a pouf, armes. Ah, des livres. Alors, est-ce qu'on va acheter d'autres livres? Ça me paraît pas trop utile. Il me semble que j'ai déjà tout appris à tout le monde. Peut-être d'autres trucs sympas du style Docteur Aura ou des trucs comme ça. Ouais, ce que je veux dire. Greenstone Air. Ah oui, ça aussi, il faudrait que j'en achète quelques-unes. Il me semble que ça me... Ah ouais, Sniper Shot aussi. Ah mais je crois que je peux plus rien apprendre à mon chef, il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Sniper Shot, ouais, faut que j'en achète... On a acheté 4. Ah mince, ah ouais, c'est vrai, il y avait encore le truc là où j'ai... Bref, voilà. 4. Ça se déplace en fait et j'achète du Greenstone Air à la place. Y'a quoi d'autre? Tout ça on avait acheté, Treasure Hunt on avait acheté. Alors là, How to Swim, ça peut être sympa, mais bon, moi je sauvegarde la partie, hein, je m'en fous. Enfin, je charge plutôt. Earn More XP, Wild Sailing, mais ça on avait déjà appris. Canon Mastery, c'est bon. Voilà, après les Toilet Study, on peut leur apprendre ça, des trucs comme ça. De toute façon, j'ai tellement d'argent que je m'en fous maintenant. Je peux prendre des trucs de merde. Et puis voilà, il n'y a pas des Docteur Aura. Docteur Aura, là. 2, 3. Voilà. Alors c'est parti. Mince. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non mais je veux baisser en fait. Je veux pas utiliser ça. Il est con un peu. Hein. En fait, je ne pourrais pas... Voilà. Toilet Studio, voilà, je peux lui apprendre... Voilà, je peux plus rien lui apprendre, on est d'accord. Voilà, ça équipe en fait. Donc on peut bien équiper que seulement... voilà. À partir d'un moment, on ne peut plus rien lui apprendre, donc c'est dommage. Donc du coup, est-ce qu'il faudrait que je leur apprenne Toilet Study? Bon, je vais quand même leur apprendre. Non, lui il a Docteur A, il a pas Sniper Shot. Voilà, Docteur A. Ah mince, il avait déjà ce con. Ah, je suis con, je suis blasé. Eh, les deux ils avaient déjà Docteur Aura donc. Ah, c'est bien ça d'un côté. Donc je vais lui apprendre à lui aussi. Et lui aussi. On va faire ça bien dans l'ordre, sinon je vais pas m'embrouiller. Voilà. Toilet Study, donc lui j'ai déjà appris. Sniper Shot, je l'ai appris. Voilà, Sniper Shot, Toilet Study, mais il a plus assez de TP. Sniper Shot. Et la prochaine fois qu'ils montent de niveau, je leur apprends. Leur Toilet Study. Bon, ça sert presque à rien du tout. C'est limite, je gâche des TP en faisant ça.
Il a faim, le chef. Tout le monde a faim. Ils ont tout le temps faim. Ouais, bah c'est bon. Ah ouais, j'ai des trucs à vendre ici. Ici, c'est ici qu'on vend tout, d'ailleurs. Les perles, voilà. Perles. En plus, je gagne encore plus de thunes à vendre tout ça, là. Les tortoises clous, s'ils sont... Pardon. S'ils sont XP, c'est de la merde, je peux vendre directement. Tortoise egg, voilà, je vends tout, ouais, je me fais encore plus d'argent que ce que j'ai dépensé. Toll Study, ouais. Oyster, voilà, Oyster Shell. Oh, Red Vine, plus 2 level up. Ah ouais, ça c'est sympa, ça. C'est sympa. Feather, on s'en fout. La Rosary, 5% critical chance, c'est un peu de la merde, je vais vendre ça aussi. Grant immunité au Cannon Explosion, ah ouais? Ouais, c'est un peu de la merde, je vends. Butter recover 3%. Ouais, HP, bon, je garde quand même parce que les HP c'est bien. Restore 15 life, c'est de la merde. Diapers, ouais, ça c'est bon, ils ont tout le study. Sugar Cube, Red Vine, ok. Ok. Putain, Greenstone, j'en ai en redrop. Regardez, j'en ai redrop 26, quoi, ça veut rien dire du tout. Love Letter, ouais. Produce Blade of Wood. Ça, je peux en vendre quelques-uns d'ailleurs. Voilà, je suis retourné à 2000 alors que j'ai dépensé je sais pas combien dans des trucs inutiles. Ouais, ce que je voulais faire aussi, c'est augmenter avec la Greenstone, l'autre Greenstone là. 49%. Il me semblait que ça augmentait rien du tout d'ailleurs. On avait déjà regardé. C'est assez spécial. Moi, je sais pas. Peut-être que ça augmente que à partir du rang 10 ou un truc comme ça. On va essayer de continuer à augmenter un petit peu. Donc, ouais, et je continue. Je vais utiliser mes. Tiens, prends ça, toi. Utiliser mes autres Greenstone. Voilà, jusqu'à 40%. Hein. Tac. Eh, c'est bon. Peut-être des armes à vendre. Les cutlasses, tout ça, truc dégueulasse. Ouais, voilà, c'est tout. On se barre. On se barre. Et puis, je fais un dernier voyage et je vais arrêter la vidéo. Voilà. Tout le monde est là, hein. Regardez, Rhino. Je suis à 4927. On va se faire le Danger 5. Ah mince, j'ai pas enlevé les canons, bon, on s'en fout. Et ça va être... De toute façon, ça va... il va plus en avoir. Donc là, je vais quand même, comme c'est un Danger 5, je vais quand même utiliser mes chefs, enfin mes autres membres d'équipage. Bah, je vais juste enlever, je vais juste prendre eux là, les ship crew. Je vais payer tout le monde, tac, payol. Voilà, engage. On va attendre d'avoir le boarding machin. On va rester ici en attendant. Voilà, je perds 1% de PV. C'est plutôt sympa. Enfin, je perds pas grand-chose, quoi. Dans une seconde, voilà, c'est bon, on y va. Ah ouais, mais ils vont venir avant, oh non! Bon. Du coup, je vais mettre les armes à tout le monde. Hein. Ouais, qui m'a pris de court, là, un peu.
Ça va faire de l'XP un peu pour tout le monde. Ils sont niveau combien d'ailleurs les deux noobs là? Niveau 22, 23, ouais, ça va. Ce serait bien qu'ils soient environ niveau 30 pour le combat du légendaire. Je pense que ça suffira. Avec. Je pense qu'une fois qu'ils seront niveau 30, notre chef et tout ça, ils seront au niveau. Voilà. Je leur donne juste leur fishing rod. Prends. Merde, j'espère pas qu'il va me mettre un coup et que je vais tomber direct. Non, 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 mais bouge. Ouf, putain, le con. Ok, il y a un petit coffre ici. Il continue à se battre ou quoi? Ah non, il est nettoyé juste, ouais. Et voilà, on est bien, on est bien. Et voilà, bah dernier voyage. J'ai juste un voyage pour sauvegarder et puis Alors, je pense que je vais continuer à farmer tout ça là, tout ce gros bloc. Puis après c'est bon. Ou tout ce crop là, après voilà, bon, je me casserai. Ah oui, c'est vrai, Plunder. Un Renault qui était à 4900, il s'est augmenté à 5000, donc ouais, ça augmente petit à petit. À quoi ça sert? Pas trop à quoi ça sert. Je sauvegarde. Et puis, puis bah, comme d'habitude, hein, merci d'avoir regardé la vidéo. Continuez à farmer, ce jeu on fait que ça. Hein. Je comprends que ça soit une de mes séries les moins regardées sur ma chaîne. Bah voilà, merci à tous et ciao pour la suite de l'aventure. Allez!